Janine. Oh, Janine. Oh, ma pauvre chérie. Oh, j'espère que tu t'es pas blessée. Oh, mon Dieu. Mais regarde un peu, ma garde est partie. Oh, je suis vraiment navrée. Tu as épousé ce malade. Oh, non, non, non. On raconte ça juste pour mais la presse. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, c'est parce que je. Enfin, je dois y aller. Comment ça, qu'est-ce que je fais? On m'a donné cette tenue pour que je fasse mon truc de recueillement. Oh, je suis navrée. Les enfants, mes chéris. Oh, Janine, j'emmène les enfants avec moi. Je suis navrée d'avoir perdu la garde partie. Je te raconterai ça. Qu'est-ce qu'elle est jouée? Dès que je pourrai te téléphoner. On est pressé, il faut y aller. Au fait, vite, les enfants, au revoir. Allez, les enfants, c'est prêt, je l'ai pressé. J'ai des talons trop. Allez, baissez la tête. Allez, baissez la tête. Vite. Allez. Faites-moi de la place. Maman est une star, mais on compte aussi beaucoup sur vous. Écoutez-moi bien. Je sais combien vous serez tenté de vouloir l'appeler devant tout le monde, maman. Pas question. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous voulez faire du shopping, avoir des tickets pour voir un concert, enfin, n'importe quoi, vous n'avez qu'à me le demander. Très jolie veste. Merci. Vous avez des enfants? Oh non, je préférerais être pendue. Jody, est-ce que quelqu'un veut un jus de fruits, un soda, une corde? Voilà, Ronnie, Nicky, allez, allez. Hey, restez près de moi. Ne te mets pas sur tout. Dis, comment ça va? Attends, passe. Attends, je vais te le montrer. Je vois bien que tu t'en occupes un petit peu. Et Ronnie, occupe-toi d'eux. D'accord. T'as l'air fasciné. Dis, mon vieux, excuse-moi, je peux te confier ma guitare? J'en ai pour une minute. Ouais. Merci. Il m'a appelé, mon vieux. Tu crois qu'il pense que je suis Anna? Tu l'as pas reconnu? Mais c'est ton héros. C'est Wadi Watel. C'est qui? C'est Wadi Watel. Tu le connais? Oh, mince. Oui, mais qui c'est? C'est très gentil. Merci. Merci beaucoup. De rien, mon vieux. Ça va, Wadi? Britannie. Fantastique. Ils sont chez nous. Je veux vous présenter des amis qui sont venus nous rendre visite. C'est un grand virtuose de la guitare. Voici Wadi Watel. Tu veux vraiment que j'aille sur scène? Mais oui, tu iras, ça se passera très bien. Toutes les stars du rock, Mystère! Vous êtes formidables! Merci à tous d'avoir acheté mon disque, c'est fantastique! Je reviendrai, merci à tous! Allez, Mystère, chante! Je dois chanter. Hold you tight. No other feeling than you so right.
T'es chouette, hein? Oh, j'adore le service des chambres et aussi le petit déjeuner au lit tous les matins et cette odeur de menthe sur les polos chauds. Mais surtout, on n'a pas à faire son lit. Est-ce qu'on est monumentalement fortuné? Oh oui, monumentalement. Non, chérie, pas encore. Mais enfin, il paraît que l'argent va commencer à rentrer petit à petit. Tu passes ça sur ta carte de crédit? Mais non, chérie, la maison de disque paye tous nos frais. Oh, oh. Maman, on sera tes enfants quand? Oh, trésor, j'en sais rien. Ça m'embête autant que toi. Mais tu sais, c'est temporaire, mon cœur. On n'a pas le choix. Ils savent ce qu'ils font. Enfin, ils font pour le mieux. Peut-être après un prochain disque, ou un autre disque, ou un album. Ah, il faut faire avec, Nick. Ces gens sont des experts, c'est probable qu'ils ont plus d'atours dans leurs manches, n'est-ce pas, maman? Quelle imagination! Oui, chérie. Mais c'est dur, je commence à dire maman et je termine par maman. Mystère. C'est frustrant. Oh, que je t'adore, toi. Je pourrais jamais me passer de vous deux. On fera avec, hein? Je vous adore. D'abord, tu me dis de partir, ensuite, tu me supplies pour que je revienne. J'ai pas eu le temps de bronzer mon dos et mes jambes. Je suis navré de te bousculer, Darcy, chérie, mais ici, les choses deviennent réellement difficiles. Qu'est-ce que ça veut dire, il lui a donné ma chanson? Quelle chanson? Hein? Oh, bien sûr que j'en suis malade. Si tu dis que Jeff l'a volé, il y a de quoi en être malade? Bon, je rentre tout de suite. Oui! On a réussi! Oh, on a réussi! On a réussi! Ça y est, regarde ça! Regarde, regarde! Tu vois maintenant? Tu l'as bien vu? Oh, c'est génial! C'était pas incroyable! On a réussi! Ça y est! Ça y est! Et regarde cette silhouette! Oh non! Je vais en faire envoyer 50 copies! Ah, c'est moi qui te le dis! Maintenant, c'est sûr, c'est l'album! Ce soir, c'est la fête, on va célébrer ça. C'est que je sors. Si je peux pas, je sors les enfants. C'est parfait. On les emmène avec nous, je t'envoie non, la voiture. Non, c'est une soirée familiale, je l'ai promis depuis très longtemps et non, dis pas ils attendent cette soirée. Nous célébrerons après l'album. Où allez-vous? Nulle part, enfin quelque part, mais pas public, alors t'en fais pas. Les enfants, allons-y. Hé, hey, Charlotte. 12 étages. Tu veux descendre 12 étages à pied? Dis, t'as pas peur que Jeff découvre où nous sommes allés? Non, non, Nikki. T'as pas à t'en faire. J'ai pris la situation en main. Cette petite escapade passera totalement inaperçue. Oui, si Jeff savait ce qu'on fait, il deviendrait fou furieux. Mais elles m'ont tellement manqué qu'on va profiter de cette liberté et bien s'amuser. Tu sais, mon chou, la presse t'a tourné le dos dernièrement. Et Jeff a programmé un album pour Mystère avec de nombreuses chansons qui auraient pu être pour toi. Qui c'est cette chanteuse Mystère? D'où elle sort? C'est un secret très bien gardé. En tout cas, c'est ce qu'il croit. J'aurais peut-être pas dû partir comme ça sans les prévenir. Mais non, 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 mon chou, tu as bien mérité tes vacances. Mais ne t'inquiète pas, ma toute belle. Oncle Jack a mis au point un plan absolument génial. Amusez-vous bien. Merci, à tout à l'heure. Viens nous chercher vers 10h, d'accord? Ouais. Allez, venez. Et ne vous faites pas voir. D'accord. Derrière moi, les enfants, on va lui faire la surprise. Ah, bien
Bien sûr que si, je savais que c'est toi qui chantais. Non, tu ne savais pas. Arrête, tu sais que je le savais, je l'ai dit. C'était évident, de toute façon, je savais qu'au moment voulu, tu viendrais tout raconter. Et je savais aussi que tu viendrais me voir ce soir. J'ai dit à Chuck, tu sais, Annie n'a pas manqué un de mes anniversaires en 12 ans. Et c'est pas maintenant qu'elle va commencer. Regardez ces deux-là. Comme vous m'avez manqué, c'est pas croyable. Je vis un véritable conte de fées. C'est magique. Attends une minute, toi, t'aurais pas rencontré quelqu'un? Regarde-moi ça, elle vient de rougir. Oh, qu'est-ce que c'est mignon, t'as vu Connie? T'es pas en train de regarder un monstre, tu sais. Je sais, mais c'est que tu as l'air si différent, c'est tout. Je suis ridicule. Non. C'est vrai? Non, non, tu es superbe. Oui. Oh, Annie, quand je pense que nous imaginions que tu étais un cristal taillé pour ressembler à un diamant, et qu'en fait tu étais bien un diamant posant comme un simple verre. Oh, Etta, c'est si joliment dit. C'est curieux, ça m'est familier. C'est ce qui était écrit sur la carte que tu viens de me donner. C'est si merveilleux que je croyais que tu l'avais inventé. Ça reste quand même merveilleux. Allez, les filles, allons voir si ces vêtements sont prêts et ensuite on va faire une de ces bringues dingues puisque personne d'autre que nous ne sait que tu es là. Non, ta mauvaise presse n'a rien à voir avec Mystère. Elle provient uniquement des 5 derniers concerts vendus où tu n'as pas jugé utile d'aller sauf à un. Et cela seulement 20 minutes. Je me faisais faire des soins dentaires. C'est Jack qui m'a déconseillé d'aller sur scène. Je pouvais perdre ma couronne sur le premier rang. Dis-le-lui, Jack. C'est mon devoir de protéger ma cliente. Et particulièrement quand la maison de disques juge bon de lui faire des crasses en son absence. Ouais, on m'a planté un couteau dans le dos dès que je me suis retournée. Tu sais ce que ça m'avait. Je te préviens, Jeffrey, tu vas arrêter ça immédiatement. Je n'ai que faire de tes menaces. Darcy, as-tu écouté la chanson de Mystère? Tu sais, ce n'est pas un feu de paille, elle est merveilleuse et nous avons 5 ou 6 titres, que des tubes en puissance. C'est à cause de tout ça, cette page, Darcy. Très bien, voilà qui devrait lui remonter le moral. Allez, viens, ma chérie. Je t'emmène prendre un brunch. Ensuite, nous téléphonerons à Jerry pour discuter les clauses d'un nouveau contrat. Après tout, c'est lui qui a promis à Darcy cette chanson. Je me sens stressée. Il y a des ondes alpha très négatives dans l'air. Je ne suis pas prête de revenir. Écoutez, je me moque de savoir qui vous a dit que Mystère était chez moi. J'ignore qui elle est et où elle est. Alors enlevez vos pieds de ma prime, je viens juste de la faire tomber. Et ne revenez pas sonner à ma porte. Demain, j'ai 3 décolorations et une permanente. Il est 9h et je dois aller me coucher. Toutes les filles, fermez les rideaux. Oh, puisque je te le dis, maman. T'entends ça? Mais comment ils m'ont découverte? Oh, mais j'en sais rien, Annie. Oui, ne t'inquiète pas, j'ai prévenu tout ce que tu voulais. La télé, les journaux, j'ai laissé ton nom et j'ai offert $1000 pour celui qui m'amènerait la meilleure photo d'elle sortant de la maison. Oh non, dites-moi que je rêve. Ils ont déplacé la fanfare et l'équipe du journal télévisé. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai pourtant été très prudente. Je dois sortir d'ici sans me faire voir. Pourquoi pas à Véronique? Oui, bonne idée. Oui, c'est ça. René. Oui, oui, pas de problème. Je peux te les déposer, je passe chez toi. D'accord. Ciao. Non, attends. Comment va Darcy?